Tu es trop directive. T'es bipolaire. Tu es superficielle. Mon odeur me débecte. T'es le meilleur. Franchement, ça a été. Il est encore cool, ton père. Cool. Ok, il est un peu space, mais quand tu vois ma mère à côté, ça, c'est quelqu'un d'embarrassant. Comment elle chauffait ton père, c'était indécent. Tu crois? Bah, t'as pas remarqué? Son décolleté, là? Non, mais s'il te plaît, maman, quoi, autant manger direct à poil. Puis ses bottes en cuir. Qu'est-ce qu'elle avait, sa botte? Ah, je connais ma mère. Quand elle met ses bottes, parce qu'elle a envie de baiser. Je suis sûre qu'elle a envie de se faire prendre par ton père. Oh oui, c'est l'inspecteur. Passez-moi les menottes. C'est l'inspecteur, oui. Ça va? Tu veux sortir 2 minutes pour respirer? Non, ça va. Je vais sortir 2 minutes pour respirer un coup, tu vois, on a un buffet dans 1 heure, donc non, je vais pas sortir 2 minutes pour respirer un coup. C'est toi qui vois. Effectivement. T'arrêtes! Parce que moi, des croustillons mous, je vais pas laisser passer ça à chaque fois, c'est clair? Je peux rentrer? J'arrivais pas à pisser. Alors? Bah, je sais pas, faut attendre. Oh putain, non! Putain! Ne te regasse pas, ne te regasse pas! Ne t'inquiète pas! Putain. Ne t'inquiète pas, ça va aller! Putain. Chez toi, on va dire que t'as 26 ans, hein. Moi, ça passera pas. Carly, ouvre cette porte! Excuse-moi, tu le connaissais d'où, mon père? Du travail. C'est vrai ce que raconte ma mère, qu'il avait été mis au placard à TSA? Je sais pas, je connaissais pas très bien ton père, je suis désolée. Si tu le connaissais pas très bien, pourquoi t'es venue? C'est moi qui l'ai découvert. Ne dis pas que t'es la fille du Plessis. Tire-toi, donc je veux tire-toi, casse-toi d'ici, t'as rien à faire! Il voulait qu'on parte. Qu'on aille vivre en Allemagne. Loin de ses problèmes. Je l'aimais, mais ma vie, elle est ici. Zoé. Qui était au courant? And I'm feeling good.